Il l'a dit dans la strat. Trastagat va être chiant. Vu qu'il régène ses points de vie si on n'utilise pas des orbes. Les orbes noires posées au sol quand on tue des. Quand on tue des odds. Ouais, il s'est. Il a failli crever de la corruption là. Il aurait dû l'AMS, la corruption, au lieu de l'AMS maintenant, mais bon. C'est pas grand chose. On voit qu'il y a des open à 140K HPS pour ceux qui se prennent des corruptions. Donc là, ils sont obligés de focus les adds, sinon le boss il régène toute sa vie. Du moment qu'on fait. Quand on fait des dégâts sans utiliser l'orbe noire, là qu'il vient d'utiliser, là, Void Infusion, Infusion du vide, tous les dégâts qu'on fera seront soignés. Du coup, si. Et à contrario, si on prend une infusion du vide et qu'on tape le boss, là il pourra pas se guérir. Donc si on voit la vie du boss faire d'un yo-yo, c'est normal. Voilà, il était passé à 57% et il s'est remis à 60%. Le problème, c'est qu'il y a un debuff sur ce buff. Sur le vide d'infusion, il y a un debuff qui permet de plus de pas le prendre pendant environ 1 minute 30. Là, c'est Ngoki, je crois, qui reste. J'ai dit Ngoki, n'importe quoi, c'est Noni, Noji, Noji. Ouais, j'ai du mal à. Ouais, je sais pas si Noji ou alors Noji, Ndogi. Enfin bref, voilà. Maintenant, il peut aller retrouver une bulle. Là, il a pas réussi à en avoir, tout le monde les a bouffés avant. Voilà, c'est bon. La meilleure dévastation. Quoi? Ah non. La meilleure dévastation, c'est 5 millions. Et celui qui a réussi à en faire le plus, il a 17 millions. Celui qui a fait le plus souvent proc. Bah, Horrible, il a 118K DPS. Million. Il était. En quelques. Enfin, il est bientôt crevé, il est repassé à 8%. Ouais, du coup, c'est plus que 5% de points de vie en fait. Waouh! Il est deuxième. Ah, c'est, il a dit Ed Nogi, j'ai l'impression. Bon, il n'y a pas beaucoup d'adds entre Trestagat et Shadar. Je vous laisse profiter des adds qui se font exploser, comme vous pouvez voir. Ah, je suis trop deg de pas être pris. Il avait tag en recherche de groupe. Ah, calme-toi. Non, pas la pause. Merde, il avait tag en recherche de raid. Enfin, tout simplement, il a fait le raid et il a tag dans la recherche de raid. Et il y avait, comme on pouvait voir sur son live, il y avait tellement de monde qui ont tag. Bah, sur son live, j'ai même pas pu voir mon nom en fait. Du coup, enfin, je suis sûr de m'être inscrit dans son raid, mais il y a tellement de monde que quand il a scrollé, on voyait pas mon pseudo quoi. C'est dommage. C'est dommage, sachant qu'il avait pris au pif en fait. Il y a plein de personnes qu'il avait invitées
et qu'ils avaient pas du tout les conditions. Pourtant, il y avait un Discord comme quoi on s'inscrivait et on mettait tout ce qu'on avait, enfin qu'on remplissait tous les critères. Et au final, bah, ce Discord il servait à rien. C'était juste pour. Bah, juste pour rien en fait. Je sais pas pourquoi il avait fait le Discord. Enfin bon, tant pis. Je suis un peu salé. Je suis très salé. Ça aurait été trop bien d'être dedans là. Et de proc. À foison. En tout cas, en bas à droite, vous pouvez voir. Ah bah super, il a mis ses sacs. Hein. Merci, merci le timing. Après qu'il enlève ses sacs, une fois qu'il aura fermé ses sacs, vous pourrez voir les talents, les peut-être les azérites aussi. Et surtout les corruptions qui jouent. Bah allez, t'enlèves tes sacs toi. Voilà. On peut voir la corruption, du coup il y a dévastation 2, 1 et 3. Il joue avec 6 de dévastation. Il a 75 de corruption. Ouais, il joue avec... Il joue avec le drain sanglant, je sais plus ce que c'est. Bon, en français. Le premier talent au milieu. Hémostasis, rempart pour avoir plus de points de vie. La MS. Marche spectrale pour aller plus vite. Après, ah oui, il joue avec un bijou bizarre qui joue. Qui augmente de 1000 l'endurance. La vita, forcément, parce que c'était requis. Les essences. Comme il l'avait dit, comme il l'avait demandé, vision en majeur, conflit, warden et Amina et Anima, conflit pour la polyvalence et Anima et warden pour le buff d'endurance. Vous pouvez voir en haut à droite tous les buffs warden qu'il y a. C'est 1, 2, 3, 4, 5, bah il doit en avoir 29 normalement, 29 ou 30. Bon, Shadar, y'a rien à expliquer. Hein. Il joue avec un haussement des damnés. Ah, et x3 cœur des ténèbres. Cœur des ténèbres qui augmente toutes les stats secondaires. Très très fort, hein. Bis. Enfin, c'est même bis, tout simplement. Et deux fois. Comment dire, je sais plus le nom, mais c'est celle qui augmente la hâte à chaque fois qu'on a un proc de mort et des compos gratuites. Exactement maintenant. Et il a un proc de hâte et il a en x2. Voilà, c'est le truc. C'est ce qu'il faut. Haussement des damnés x1, c'est obligatoire parce que ça augmente l'armure. Du coup, notre résistance. x3 à cœur des ténèbres pour tout simplement notre résistance, notre HPS et notre DPS. Et x2, l'azérite que j'ai oublié, mais qui booste la hâte à chaque fois qu'une mort et des compos gratuites. Parce que ça booste tout simplement notre régénération de runes et ça booste nos dégâts et notre HPS. Sachant que notre HPS est notre tankiness. En tant que dégâts. Bah, ce boss il se fait bien ravager la gueule. 3,91 millions Omnizeus. Pour le moment la meilleure dévastation c'est pas ouf. Hein. Normalement c'est censé être DH ou druide mais ils proc pas en fait ces gens. Bah y'a Shark, ah si Shark il a fait plusieurs dévastations mais c'est pas meilleur qu'un DK. ...140 000 de dégâts. En tank. Blizzard a fait n'importe quoi avec les dévastations. Et ça me saoule, y'a plein de gens qui meurent. Le war là. Bah je crois que c'est un war, ouais c'est un war. J'ai l'impression qu'il meurt à chaque fight, ce war-là, là. Remplacez-le. Prenez-moi. Oh là là. 137k dégâts, 133k, 126, 125, 117, 114. 116k HPS. Il a presque log. HPS. Voilà, il a expliqué la strat, enfin la strat. Il a expliqué comment éviter de crever quand quelqu'un vous met un buff qui vous fait marcher sur l'eau. Pour garder vers le bas.
Et c'est pas vous regardez vers le bas avec votre caméra, c'est vous regardez vers le bas avec votre personnage. Allez, c'est parti pour Elginot. Bah, je vais changer de vidéo, hein. Allez, à plus tard.